soir au sommet, Gatineau paré pour le coup d'envoi du Lopet. On a des gens de 20 pays différents cette année, alors c'est vraiment ouvert à la population mondiale. On fait le point sur l'hypersexualisation. C'est pas la façon qu'a choisi de s'aider le problème, c'est comment on choisit de le percevoir. Beaucoup d'entre eux ce soir, ils ont des problèmes, ils s'en viennent ici pour s'amuser. Et une incursion dans l'univers burlesque du vaudeville. Bonsoir, vous regardez au sommet. Je m'appelle Hélène Campbell. Et je m'appelle John Doucet. Bienvenue à notre dernière émission. Quelle semaine en dents de scie, n'est-ce pas? On a commencé ici et on a grimpé jusqu'à ce sommet. On a pris une petite pause, granola, orange. Et ensuite, on a grimpé jusqu'ici, au sommet de la semaine. On est très excités d'être rendus ici. Et je dois admettre que c'est une superbe vue du sommet principal, mais wow, fait fret! Oui, il fait très, très froid. Eh bien, si Gilles Vigneault chante « Mon pays, c'est l'hiver », ses paroles poétiques se confirment ces jours-ci par un avertissement de froid extrême en vigueur pour tout l'Outaouais et l'Est ontarien. Les vêtements chauds étaient en mise aujourd'hui lorsque la température a chuté moins 26 degrés Celsius et que le facteur vent nous amène à un froid moins 37 à Ottawa-Gatineau. Dû à ce froid sibérien, Santé publique Ottawa lance avertissement de risque d'engelure et rappelle que les personnes sans-abri sont particulièrement vulnérables. Par ailleurs, plusieurs écoles d'Ottawa ont été forcées à annuler leurs activités extérieures en raison de la météo. Le froid sera donc au rendez-vous cette fin de semaine, alors que prendra place la Gatineau-Lopette, une course de ski de fond de niveau mondial instituée en 1978. Cette classique fait partie de la série World Lopette, qui regroupe 16 courses populaires ouvertes à tous de par le monde, entre autres la Norvège, en Suède et en Italie. Le terme Lopet, signifiant « grand rassemblement » en suédois, est justifié puisque plus de 2000 skieurs participent annuellement aux diverses épreuves qui se déroulent du vendredi au dimanche. La course la plus populaire, le 51 km classique, se déroulera sur un parcours linéaire entre Wakefield et l'école secondaire Mont-Bleu à Gatineau et accueillera plus de 500 skieurs, la grande froideur n'effrayant manifestement pas les fondeurs. Bienvenue au Canada. On s'habille chaudement et pour faire du ski de fond, on s'habille en couche. Donc vraiment aucun problème. Il annonce moins 11 demain. Ça va être le samedi, ça va être idéal. Et moins 19 dimanche. Dans le bois, il n'y a pas de vent, les gens vont être bien corrects. Et il y a des points de ravitaillement avec des jus, de l'eau, des soupes. Tout est sous contrôle. La Gatineau-Lopette est ouverte à tout le monde, autant l'élite que monsieur, madame, tout le monde qui veut se lancer un défi, qui veut venir participer. On a des gens de 20 pays différents cette année. Alors, c'est vraiment ouvert à la population mondiale au complet. Les étudiants du programme de production télévisuelle à la Cité s'attaqueront à un gros défi ce samedi, alors qu'ils assureront la captation et la diffusion de l'épreuve du 51 classique de la Gatineau-Lopette. Il s'agirait d'une première non seulement pour les étudiants, mais également pour les enseignants et technologues du programme, puisqu'une telle production n'a jamais été tentée dans le passé. Le froid s'ajouterait à la liste de défis de la journée. La captation de demain, je pense que le plus grand défi, en premier lieu, ça va être la température, étant donné que depuis les derniers jours, c'était vraiment froid, donc dans les moins 25, moins 30. Il va falloir vraiment travailler en équipe et coopérer pour avoir un travail efficace parce que sinon ça peut devenir dangereux. Mais je pense que c'est un beau défi pour nous puis on va être capable de le faire. Hier, nous vous avons parlé du gala du prix Bernard Grandmaître qui se tenait au Centre national des arts. Eh bien, c'est la présidente fondatrice de la Société franco-ontarienne du patrimoine et de l'histoire d'Orléans, Nicole Fortier, qui a remporté le prix Bernard Grandmaître 2015. Elle succède donc à Lucien Bradet, qui avait reçu cet honneur l'année dernière. Celle qui a, entre autres, veillé à la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles au sein de quelques 200 organismes fédéraux, a avoué être optimiste pour l'avenir de la francophonie à Ottawa.
Je me dis, oui, bien sûr, je suis optimiste au niveau de la collaboration, de la concertation des organismes. Et si on démontre une concertation et une collaboration forte, ben c'est sûr que les instances politiques, que ce soit la ville d'Ottawa, que ce soit la province de l'Ontario ou le fédéral, bien, à un moment donné, que voulez-vous, si la communauté, elle est là, la communauté a des besoins au niveau de la francophonie, elle est forte et elle est concertée, bien, moi, je pense que nous allons continuer à évoluer et dans tous les secteurs. Plus tard au sommet, coup d'œil sur le vaudeville au théâtre Marc-Allou. Les gens disent tout le temps, le théâtre classique, c'est bien, le théâtre vaudeville s'en va. C'est pas vrai, il s'en va pas partout. Si on regarde la petite vie, ça en est du théâtre vaudeville. Si on regarde sketch show, ça en est. Rejoignez le sommet grâce aux réseaux sociaux via Facebook et Twitter. Cette semaine, nous avons discuté de sujets qui ont provoqué de la réflexion parmi nos invités ici au Sommet. Et le sujet d'aujourd'hui ne fait pas exception du tout. En effet, Hélène, le thème de l'hypersexualisation des jeunes devrait nous permettre d'encore une fois assister à d'excellentes discussions. C'est sûr. Bien que ces comportements existent chez les jeunes depuis quelques années, on commence à peine à connaître l'ampleur et l'impact réel sur leur développement. L'hypersexualisation est largement véhiculée par les personnalités et idoles connues qui apparaissent dans les médias. Et voici le reportage d'étudiants de la Cité. L'accessibilité de la femme sexualisée dans les médias. Bien, les jeunes filles et les filles essaient de correspondre à des critères qui sont normés par la société. Petite différence, on ne fit pas avec la société, on est différents. La culture dans laquelle on vit, comment ça nous informe sur la valeur des femmes? Je trouve que les médias sociaux, Facebook et tout ça, ça influence beaucoup les jeunes. L'hypersexualisation, c'est pas juste d'être sexuel, c'est aussi de correspondre à un certain modèle de beauté. Ils ont peur de ce que le monde va penser. Ils se considèrent pas belles naturellement. Je m'appelle Fanny Boisvert-Saint-Louis. J'écris en ce moment pour le blog Je suis féministe. Je suis aussi dans l'équipe. En ce moment, j'étudie en Women's Studies à l'Université Concordia. Je suis aussi une mineure en sciences politiques. Je dirais que le fait que l'abondance d'images sexualisées et hypersexualisées, ça peut avoir un effet positif dans le sens que de plus en plus, il y a beaucoup de femmes. Ils n'ont pas l'air d'être exploités, ils ont l'air de vraiment le faire parce qu'elles, elles sentent le besoin de montrer leur corps, pas d'exploiter, mais de justement réapproprier leur corps et leur sexualité. Donc, c'est sûr qu'on peut se demander qui là-dedans profite de ça. Mais là, on les construit en disant « voici une vraie fille, voici un vrai gars ». Ceux qui ne correspondent pas à ces deux catégories, on les exclut. Mon nom, c'est Hagen Riglin. Je suis travailleur social pour le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je travaille à l'école secondaire publique de La Salle. L'accessibilité de la femme sexualisée dans les médias, que ce soit sur des pages individuelles, que ce soit des jeunes femmes qui se sexualisent puis qui présentent ces images-là sur leurs médias sociaux, ou que ce soit de la part des médias, des images contrôlées là, par des promotions ou des annonces publicitaires. Je pense que c'est là le problème. C'est pas la façon qu'a choisi de s'habiller le problème, c'est comment on choisit de le percevoir ou comment on est conditionné à le percevoir. Ça vient qu'à affecter un peu l'estime de soi des élèves quand eux rentrent pas dans ce moule-là. Je m'appelle Jeanne Lasselle, j'ai 14 ans, je suis en troisième secondaire au Collège Nouvelle Frontière. Je dirais que l'impact que ça a, c'est que, surtout sur moi et sur les autres filles de mon âge, là, c'est que ça descend un petit peu notre estime parce que
Ces personnes-là, ils ont un modèle qu'ils veulent qu'on atteigne. Puis si on ne l'atteint pas, ben, on est moins motivé à être en public parce qu'on se dit, ben là, moi, j'ai ça différent de cette personne-là, ça veut dire que je ne suis pas belle. Tu sais. On ne peut pas être différent du modèle parfait, du moule parfait de la fille parce que sinon, on se fait regarder croche en public. Aussi, quand on va magasiner, tous les modèles, tout, c'est vraiment, vraiment exagéré comment ils sont minces. Il y a beaucoup de Photoshop là-dedans, mais c'est pas tout de suite reconnaissable. On peut penser que c'est naturel, puis que nous, on n'est pas belles tant qu'on ressemble pas à ça. Les jeunes de mon âge, je trouve qu'ils sont vraiment influençables. Puis je trouve que des images comme ça qu'ils projettent, ben c'est vraiment facile, puis ça peut vraiment, vraiment diminuer l'estime d'une fille, là, d'un gars aussi. Je pense que le monde réfléchisse davantage. Je pense que plus on s'en rend compte, plus on en parle. Plus on en parle, plus on est sensibilisé, puis plus on revendique un peu. Personnellement, je suis pas nécessairement pour censurer ou pour interdire des vidéos, des chansons, parce que je pense pas que ça va changer le problème de juste interdire puis essayer de qu'on se mette des œillères, qu'on dise, ben, on l'interdit, alors on ne le voit plus. Je pense qu'il faut changer les mentalités d'abord et avant tout. D'excellents points ont été soulevés lors de ce reportage et nous vous invitons à partager votre opinion sur le sujet en répondant à la question Facebook sur la page Au Sommet. Et la question subit, l'hypersexualisation touche-t-elle uniquement les femmes? Et pour en discuter, j'ai avec moi en studio aussi Émilie, Ismaël et Karine. Pardon, moi, chez les noms, je ne suis pas la meilleure. Alors, ça va bien? Oui. Alors, notre sujet, l'hypersexualisation, ma première question pour vous, et autre que l'argent, qu'est-ce qui motive l'hypersexualisation? Bien, comme vous l'avez dit, c'est principalement l'argent qui motive sa vente. Là. Dans le fond, la sexualité, ça éveille un peu notre cerveau de façon inconsciente. Puis sans qu'on s'en rende compte, on est attiré vers ça. Donc, les médias, les publicistes, leur marketing, ils ont remarqué ça. Il faut pouvoir capter l'attention sur quelque chose facilement puis efficacement. Puis ils ont trouvé qu'avec la sexualité, ça fonctionnait vraiment. Donc, c'est pas mal ça, là. Avez-vous quelque chose à dire après de ce sujet ou on peut passer à la prochaine question? Je pense question? Que c'est très naturel. Oui, hein? OK, mais si la prochaine question, oui, est-ce qu'un nouveau phénomène a commencé avec l'hypersexualisation à cause de l'Internet? Je suis d'avis que l'Internet a un rôle à jouer là-dedans, mais aussi tout ce qui influence les jeunes, comme les émissions de télévision surtout. Si on regarde des séries télévisées genre Jersey Shore, pardon, qui montrent beaucoup de sexualité dedans. Si on regarde 15-20 ans en arrière, les émissions que les adolescents regardaient, c'était plus Radio Enfer et Dans une galaxie près de chez vous. Ces émissions-là, ça n'allait jamais plus loin qu'un bec. Puis maintenant, c'est tout le contraire qu'on voit, c'est totalement explicite, puis il y a très peu de censure. Oui, Catherine, je t'ai vue tout à l'heure. Oui, bien, c'est vrai. Puis aussi, on en discutait un peu tantôt, puis les enfants qui écoutent la télé, bien, ils écoutent leurs émissions, puis des fois, ils voient les annonces qui passent, puis il y a des annonces des émissions comme Jersey Shore, puis mais pas juste ça, il y a tout plein d'émissions maintenant, puis on dirait que c'est ça qui va attirer le public, donc ils vont mettre ça dans les annonces, puis justement, mais. Ben moi, je dirais pas que c'est seulement l'Internet qui promouvoit ce phénomène-là d'hypersexualisation, là, parce que, comme exemple, en 2002, il y a eu 27 100 cas d'agression sexuelle signalés, soit 36 % de moins qu'en 1993. Ça a baissé, ça continue à baisser encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut associer ça à l'existence d'Internet? Je suis pas certaine, puisque on se souvient que les débuts d'Internet, ça a commencé dans les années 1990. Donc, pourquoi est-ce que le fait que Internet augmente puis le taux d'agression sexuelle diminue en lien avec l'hypersexualisation, moi, je suis pas certaine. Je pense que vraiment, c'est tout ensemble qui fait que l'hypersexualisation est bien présente. Pensez-vous que l'hypersexualisation est reliée à l'Internet?
Ben c'est ça, non, moi je pense pas. Aux agressions sexuelles, j'aimerais dire. Oui, c'est ça. Ben c'est sûr, une chose en amène une autre. Mm-hmm. Et toi, ce que tu disais, la télé-réalité, est-ce que c'est la réalité? Non. C'est souvent des mises en scène, c'est pas nécessairement vrai ce qu'on voit à la télé. Il y a tout le temps quelqu'un en arrière de la caméra qui met un scénario en scène pour attirer justement le public. Mm-hmm. C'est des montages. Et y a-t-il un lien entre une société capitaliste et l'hypersexualisation? Ben oui, je pense comme on l'a un peu sous-entendu, il y a effectivement un lien parce que si on regarde les publicités qui passent de nos jours, c'est souvent des publicités qui utilisent le corps de la femme pour vendre un produit ou un service, ou même on utilise des jeunes filles de très bas âge et on essaie de leur vendre un produit comme les poupées Bratz par exemple, ou même du maquillage. Alors qu'à cet âge-là, les jeunes filles, on ne s'attend pas à ce qu'elles soient sexy. On dit d'une jeune fille qu'elle est mignonne ou des choses comme ça, mais sexy, ce n'est pas approprié. Puis ça, on dirait qu'on recherche à créer la pédophilie quasiment. Mm. Ce n'est pas quelque chose qu'on devrait rechercher, d'après moi. Pensez-vous qu'il y a des effets positifs de ceci? Je ne pense pas qu'il y a des effets positifs en ce moment, mais je pense qu'on pourrait utiliser l'hypersexualisation pour que ça en devienne un, c'est-à-dire... vu que le sujet n'est plus tabou, on peut en utiliser, justement, les parents pourraient parler à leurs enfants pour sensibiliser les enfants au sujet et qu'il y ait moins d'agressions sexuelles, qu'il y ait moins de problèmes créés par cela. C'est ça, faut pas voir la mise en garde d'hypersexualisation comme un excès de pruderie, par exemple. Faut pas voir ça comme quelque chose qui est négatif nécessairement. C'est sûr que oui, c'est vrai que ben, oui, c'est négatif, mais... Il y a certaines personnes à qui ça sert, je veux dire. Et quels sont les moyens pour contrer ça? Bien, je pense, comme Émilie l'a dit, les parents, ils doivent apprendre à en parler à leurs enfants, apprendre à mettre des limites aussi. Si tu vois ton enfant qui descend habillé de façon inappropriée, tu lui dis d'aller changer. Mm-hmm. Tu vérifies aussi un peu ce qu'il met sur les médias sociaux. Je pense que c'est le rôle des parents beaucoup de faire de la prévention. Puis aussi dans les écoles, juste avec les règlements vestimentaires, il y a beaucoup de... On apprend, dans le fond, aux enfants comment bien se présenter. Puis je pense que, justement... Je suivais la campagne Dove. Est-ce que vous avez déjà vu ces campagnes-là? Ouais. Et dans vos recherches, avez-vous trouvé que la campagne aide un peu avec l'image de la femme, l'image de soi? Bien, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'ils prennent le même genre de corps, comme c'est toutes des personnes plus enrobées. On dit que Victoria's Secret, c'est pas nécessairement bon parce que ça montre les personnes super minces, mais Dove prennent juste un stéréotype de personne. C'est pas mélangé, on voit pas des corps différents, donc... Puis aussi, c'est quand même des personnes qui sont peu vêtues dans les annonces, donc ça développe un peu ce phénomène d'hypersexualité-là. C'est ça, on fait une promotion des extrêmes, dans le fond. Mm. Et est-ce qu'il y a d'autres campagnes qui ont sorti avec ça? Ben, moi, je sais que j'ai vu une fois sur Dove, c'était des femmes de différentes grandeurs. Il y a trois ans ou quatre ans que j'ai vu ça. Et moi, comme spectateur, je me sentais pas aussi à l'aise parce qu'on voit pas des femmes qui sont un peu plus grandes à la télévision. Et pour moi, c'était bizarre, mais comme c'est la réalité d'une femme. Alors, je voulais juste savoir dans quelles circonstances que cela peut avoir plus d'influence, pensez-vous? Ben c'est pour vendre. Je veux dire, la vente pour les hommes, on va utiliser des femmes. La vente, moins souvent, mais pour vendre auprès des femmes, on va utiliser des hommes. Si ça va dans les deux sens, c'est sûr que c'est plus présent chez les femmes. Je pense que ma question, je ne l'ai pas vraiment expliquée comme il faut. Est-ce qu'on trouve l'hypersexualisation plutôt dans le milieu du travail, à l'école, tu sais, différentes milieux? Je pense que l'hypersexualisation, c'est partout. Il y a pas d'endroit qui y échappe. Par exemple, à l'école, ça commence très tôt. Il y a une pression sur les jeunes, justement, à cause de ce qu'on voit à la télévision, les émissions. Il y a une recherche. Souvent des jeunes qui n'ont pas d'estime d'eux, qui arrivent à un âge à l'âge adulte, s'ils sont vierges ou des choses comme ça aussi, ils n'ont pas vécu toutes les mêmes expériences que leurs amis. Il y a aussi dans le milieu du travail, on l'a vu avec les incidents au Parlement, les députés du NPD qui se sont fait harceler sexuellement. C'est partout, c'est pas juste les jeunes. On est rendu dans une société où c'est que personne ne peut y échapper vraiment. C'est ça. En 2005, concernant la télévision, là, 77% des émissions comportaient des scènes de sexe. C'est beaucoup, là. Oui, c'est beaucoup. 77.
Et comme on disait, les émissions qu'on écoutait quand on était plus jeune, c'était un baiser, puis c'était « Oh my gosh, un baiser! » En tout cas, c'est déjà tout le temps qu'on a ensemble aujourd'hui. Alors, merci à tous nos participants et ceux qui écoutent à la maison. Et restez de nos proches pour la suite du sommet. Je suis William Robitaille, je suis réalisateur de l'émission Sommet. C'est un honneur. C'est cool de diriger un peu cette équipe-là, de voir un peu tout ce que tu prépares, travailler avec tout le monde pour mettre mes idées et aussi les idées de tout le monde en images et en son. Puis c'est avec moi qui, pendant le direct, va diriger l'équipe, va dire quelle caméra va être en onde. Je pense que ça prend de la patience puis du sang-froid. Faut essayer de rester terre à terre aussi. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis en tant que réalisateur, faut savoir qu'il y a une équipe derrière ça. Puis faut bien la traiter. C'est important. Bonsoir, ici Hélène au studio avec Valérienne, dirigée, Lorrain. Oui. Tout un nom ça à dire. Oui. Moi et mon Benigus, mais je suis pas capable de dire ça. Alors, je te remercie beaucoup d'être ici avec nous. On va parler de ton projet étudiant. Oui. Le documentaire s'appelle Vaudeville. Vaudeville, c'est ça? Oui, excellent. Alors, peux-tu nous parler du projet d'étudiant? Eh bien, en fait, c'est dans le cours de réalisation à l'école. Et moi, je connaissais personne dans les alentours de Gatineau et de Ottawa. Et on devait trouver un sujet pour un documentaire, un sujet qui serait intéressant, qu'on pourrait vraiment exploiter. Et Véronique, ma coéquipière, elle a eu cette idée, on pourrait le faire sur Monsieur Blondin au Théâtre Marcalou. Et au début, j'ai dit, mais je sais pas c'est qui, j'aimerais en apprendre. Puis on a fait des recherches et j'ai découvert que c'était un monsieur qui faisait du théâtre, puis il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, il voulait passer un message, donc on s'est dit ça va être un sujet vraiment intéressant, donc on a décidé d'aller pour. Vous avez contacté Monsieur Blondin et vous l'aviez dit, on fait un projet, on veut vous parler. Est-ce qu'il avait de la résistance ou voulait vraiment faire ceci avec vous? Vraiment, là, il était heureux, il voulait tout embarquer, il nous appelait, il voulait savoir, OK, est-ce que vous allez bientôt passer? Puis quand il venait, il nous réservait, il prenait vraiment le temps avec nous et il disait, c'est pas grave, le reste va attendre, il voulait vraiment nous mettre à l'aise, donc le tournage a super bien été. Dès qu'on a embarqué dans toute la production, puis aller lui parler, tout ça, il était toujours présent, puis il embarquait, puis même si on empiétait un peu sur son territoire, dans son café, là, il était toujours présent pour nous. Maintenant, je veux aller prendre visite avec M. Blondin, c'est super. Oui. J'ai vraiment hâte d'écouter le documentaire avec toi. Et aussi, on va s'informer un peu plus auprès du sujet de votre ville dans le documentaire, c'est ça? Ouais. Je tripe sur mes mots. En tout cas, alors on va l'écouter maintenant, ensemble. C'est cadeau. Gang, on se réunit. OK. OK, chut, s'il vous plaît. Regarde, il y a une chose qui est bien importante, gang. Ce que vous avez fait depuis le début, c'est de jouer en équipe. On est là pour une chose, un qu'une. Premièrement, leur montrer comment vous avez du talent, OK? Et une chose, les divertir et les faire rire. Beaucoup d'entre eux, ce soir, ils ont des problèmes, puis ils s'en viennent ici pour s'amuser. On leur donne un crise de bon show. Et la chienne que j'ai, c'est quand ils vont me dire à moi, qu'est-ce que t'as fait dans ta vie? J'ai fait rire du monde. Pas sûr et certain que ça va peser fort sur la balance. T'sais, j'ai juste fait rire du monde. Je sais pas s'ils vont me répondre, OK, j'ai une joke pour toi. Tu t'en vas là.
OK, attention, on commence. Lumière de la salle. Lumière de la scène. Tout le monde est prêt? On se conditionne? Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Bonsoir tout le monde! Une pièce, tu penses qu'elle est drôle, t'espères qu'elle soit drôle, et quand tu la présentes la première fois, t'as tellement peur que les gens ne rient pas au punch que t'as écrit, puis tu te dis, là, ça va rire. Alors, puis si ça rit pas, là, c'est la panique, mais si ça rit, tu te dis pas, je suis bon, je suis, yeah, j'ai réussi. J'ai pas réussi moins, j'ai réussi à les faire rire. Je sais pas pourquoi, mais écoute, j'ai écrit ma première pièce, j'avais 10 ans. Donc, hey, mon père et ma mère m'ont dit, c'est bien beau, là, tu sais, 10 ans, là, j'avais fait ça dans un carnaval, mais je l'avais écrit. Et mon père a encore ça sur un 8 mm. OK? Et il me l'a montré après une dizaine d'années. Il dit, viens t'asseoir en bas dans le sous-sol, puis je vais te montrer quelque chose. Et je me regardais, là. Tu sais, j'avais 10 ans. Tu sais, je me suis pas, j'ai pas fait, waouh! J'ai dit, OK, j'ai dû avoir ça de la scène, je ne savais pas. Oui, maintenant! OK, Le côté théâtral me dérangeait beaucoup. Je regardais, oui, j'ai la tulipe, Olivier Guimond et tout ça. Puis ça me passionnait la facilité qu'il y avait de faire rire le monde. Et c'était vraiment de faire rire le monde, un gag. C'est sûr que j'étais, oui, le petit comique de la famille, mais ça, j'en voulais plus que ça. Je voulais pas devenir populaire, je voulais juste faire rire plus de monde. Les personnages vivent dans ma tête. Je me couche le soir et je me couche avec eux autres. Je me réveille le matin, je me réveille encore avec eux autres. Et tant que je n'ai pas fini de l'écrire, bon, ben, il reste dans mon cerveau. Gars, je vais vous dire bien franchement une chose que mon grand-père m'a déjà dit et j'ai gardé depuis que je suis jeune. Amuse-toi, prends la vie au sérieux si tu veux. Prends-la dramatiquement si tu veux encore, mais veux, veux pas, mon pit, tu vas finir par en mourir comme nous autres. Molière faisait du vaudeville. C'était un gars de rue. Okay? Et tout le monde l'a oublié. Maintenant, c'est rendu un grand classique. Je pense que si Molière vient ici aujourd'hui, il dit, peux-tu retourner dans la rue, s'il vous plaît? Parce que le vaudeville n'est pas facile à vendre. Les gens pensent tout le temps que c'est du théâtre classique, mais c'est pas du théâtre classique, c'est du théâtre comme de tout le monde. Si on regarde, les gens disent tout le temps, le théâtre classique, c'est bien. Le théâtre vaudeville s'en va. C'est pas vrai, il s'en va pas partout. Si on regarde La Petite Vie, ça en est du théâtre vaudeville. Si on regarde Sketch Show, ça en est du vaudeville. Le vaudeville n'arrêtera jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va envoyer une face plate, drôle, avec une claque sur la gueule ou avec une tape en pleine face. Il n'y a pas de tête! Ce n'est pas un théâtre conventionnel, c'est un théâtre qui a été construit, arrangé par des comédiens pour venir à bout qu'on puisse faire du théâtre sans louer des salles qui sont exorbitantes. Beaucoup plus satisfait qu'il y a des gens qui ont cru en moi que de moi croire en moi. Parce que moi, je doutais de moi. Il y en a d'autres qui ont fait que, oui, on croyait en moi, croyait au théâtre, croyait à tout ça. C'est ce qui m'a donné de l'énergie. Mais tu peux pas arriver et dire, je suis bon.
T'sais, il faut que d'autres te le disent. Il faut que d'autres te disent, bon, OK, ton idée est pas folle, on embarque avec toi. Puis là, tu te dis, on embarque avec moi. Mais c'est parce que c'est fou, ça, là. Du vaudeville, c'est ça. C'est de mettre des perruques, de se déguiser, de faire rire. C'est pas du conventionnel à dire, ben c'est toi l'artiste, je te reconnais, t'es pas à télévision. Ici, ils sont là pour rire de toi et t'es là pour faire rire de toi. Connaissez-vous la femme en question? Oui. Elle dit la vérité. Étiez-vous avec elle le jour de l'incident s'est produit? Non. C'est la vérité. Où étiez-vous? Je vous l'ai dit tantôt, j'étais avec des amis. C'est la vérité. Votre cravate est laite. C'est la vérité. En plus, je sais que vous avez échoué votre examen pour rentrer dans la police, mais que vous êtes rentré pareil parce que votre beau-frère est conseiller municipal. C'est la vérité. Vous avez failli être envoyé 3 fois pour cause d'incompétence. C'est la vérité. Votre femme est insatisfaite sexuellement. C'est la vérité. C'est pour ça qu'elle couche avec le gars qui s'occupe du polygraphe. C'est la vérité. Ah, shit. Merci, Valérie. À trop. Excuse-moi. Je suis débordé au bureau. Ça fait pas longtemps que je suis ici. Là. Ça fait juste une demi-heure que j'ai reçu ton message. Est-ce que tout va bien? Oui. Je trouvais ça important qu'on te voit aujourd'hui. J'ai quelque chose à te dire. C'est quoi? Ben, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble, puis je crois que c'est le temps qu'on rende la chose plus officielle. Véronique, veux-tu m'épouser? Hein? Oh mon Dieu! Merci, mon Dieu! J'avais tellement l'impression que t'allais me laisser tomber, là! Vas-tu dire oui? Oui! Bien sûr, oui! Ben voyons, j'aurais pas besoin de ça d'abord. Bienvenue, ici Hélène, et nous allons maintenant rejoindre John. Salut, John! Allô, Hélène, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ça va, déjà la fin de la semaine? Oui, je le sais, mais on a eu des vraiment, vraiment bonnes discussions ici à la table, et c'est à vous maintenant. Merci beaucoup, Hélène. En effet, je suis ici avec des étudiants de la Cité dans le foyer. On va continuer la discussion sur l'hypersexualisation. Donc d'abord, je vais commencer avec la question Facebook. Nous avons posé cette question. Est-ce que l'hypersexualisation, ça touche seulement les femmes? Et vous avez répondu, alors je vais vous lire 3 réponses. La première, de Marie-Claude. Avec la technologie d'aujourd'hui, l'hypersexualisation peut toucher beaucoup de gens. Ensuite, Geneviève ajoute, l'hypersexualisation est plus présente chez la femme, mais se répercute sur la société en général. Et finalement, d'Isabelle, ça existe chez les hommes aussi, par contre, c'est beaucoup plus rare. Alors, on va commencer cette discussion. Je vais vous poser la question Facebook. Est-ce que l'hypersexualisation,
ça affecte seulement les femmes. Je pense pas. Honnêtement, je crois que les hommes aussi sont touchés par ça. C'est surtout l'image qu'on fait des hommes dans les publicités, à la télévision, c'est ça, dans les publicités sur Internet. C'est tout le temps l'homme parfait, tout le temps bien habillé, tout le temps en forme, tout le temps avec des muscles. C'est un peu la même chose avec la femme, donc je ne crois pas que c'est seulement la femme qui est touchée par ça. Ça met autant de pression sur les hommes que sur les femmes, mais c'est une pression qui est différente. La femme, c'est plus poussée pour une image plus sexy. Les gars, c'est plus une image de puissance, de force. Donc, c'est deux choses différentes. Est-ce que la puissance et la force est reliée au sexe aussi, d'une certaine façon? Oui, parce que les hommes ont toujours été perçus comme le sexe plus fort que celui de la femme. OK. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a une escalade quant à l'hypersexualisation? Quand Marilyn Monroe portait sa robe blanche et qu'elle la retenait au-dessus d'une ouverture pour le métro à New York, c'était considéré très sexuel. Aujourd'hui, ça a complètement changé maintenant avec les vidéos pour la musique. Est-ce que c'est une escalade? On voit le chemin que ça a fait depuis ce temps-là. Certainement que c'est une escalade. On voit maintenant, avec l'escalade que ça a eu, on voit maintenant non seulement les femmes qui sont touchées, mais aussi les jeunes filles, les adolescentes qui sont touchées. Donc, ça a beaucoup escaladé depuis ce temps-là. Hey. Oui? Puis surtout qu'on est une des premières générations à avoir accès vraiment à Internet. Comme on a accès vraiment à d'Internet rapide, puis à plusieurs sites, plusieurs publicités, à plusieurs domaines. Donc, c'est clair qu'avec cet accès-là facile à Internet, c'est facile pour tout le monde d'y aller, puis d'y avoir accès rapidement et facilement. Puis si tu regardes avec les décennies, là, je veux dire, dans le temps, on peut comparer ça aussi avec la religion. La religion, il y a eu le déclin du catholicisme au Québec. Là. Moi, si je parle au Québec, on voit qu'il y a une augmentation d'hypersexualisation. Pourquoi? Peut-être parce que les gens sont moins gênés, ont moins peur de se montrer. Puis... Et donc, pensez-vous que ça a créé l'hypersexualisation, un recul quant à la condition de la femme? Est-ce que ça a changé pour les femmes d'une certaine façon? Bien, moi, je ne verrais peut-être pas ça nécessairement comme un recul. Je crois que la femme peut montrer plus de peau et être libre et sans que ça soit dégénératif de notre point de vue sur la femme. Mais en même temps aussi, quand on voit des fois des mannequins horriblement minces avec des problèmes de santé juste à cause qu'ils sont trop minces, ou bien des problèmes psychologiques aussi comme l'anorexie ou qu'elles sont vomir, je crois que ça c'est pas elle qui s'émancipe, c'est pas l'émancipation de la femme. Pour moi, c'est plus l'exploitation. En même temps, je peux voir comment est-ce qu'il y en a qui peuvent... Je vais prendre l'exemple de Miley Cyrus, qui ont l'air de bien quand même s'amuser, puis même avec une image hyper sexualisée. Donc, l'émancipation, ça dépend. Je crois qu'il faut qu'elle soit heureuse, et selon moi, c'est ça qui est le plus important. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que Denis Baud vient de dire. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y a eu de recul, je pense juste qu'on est dans une nouvelle époque. Comme maintenant, les femmes, elles peuvent s'habiller comme elles le veulent, ce qui est un point quand même positif. Elles peuvent... Ici, au moins. Oui, elles peuvent monter plus de peau sans qu'elle soit pour autant des salopes. Mais il y a aussi le fait qu'il y a l'augmentation de la pornographie dans ce cas-là. Elles sont dégradées beaucoup plus qu'auparavant. Donc, c'est une question partagée. Il y a eu des avancements pour les femmes, tout comme il y a eu du reculement. Donc, c'est un peu comme si on stagnait, dans le fond. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, l'hypersexualisation, est-ce que ça fait comment on est à la limite entre vivre sa propre sexualité et on commence à le décrire comme l'hypersexualité. C'est où la limite exactement? Mais c'est sûr, pour les adolescents qui sont en pleine période de changement, ils ne savent plus trop à quoi se référer. Ils voient ce qui passe à la télé, ce qui passe sur les médias sociaux. Ils s'identifient un peu à ces personnes-là. Donc, je crois que c'est pour eux, c'est difficile, ils sont en changement. Donc... Et aussi pour les enfants, eux, ils grandissent puis ils voient comment c'est la société. Et lorsqu'ils sont exposés à des images hypersexualisées, peut-être que dans leur tête, ça dit « Ah, ça, c'est normal ». Et c'est pas à la limite. On voit des cas de jeunes de plus en plus anorexiques, boulimiques, alors qu'auparavant, il y en avait moins. Donc, je crois aussi qu'il faut limiter ces images-là aux enfants, parce que sinon, ils pourraient grandir avec des problèmes. Tu donnerais quoi comme solution à ça, toi? Bien, justement, de ne pas les exposer à des images hypersexualisées. Mais c'est sûr que c'est difficile.
Mais c'est ça. Oui. Il y a une ligne entre la sexualisation simple et l'hypersexualisation. Mm. Et d'après moi, cette ligne-là est imaginaire et très dure à voir, surtout avec, comme Seb a mentionné plus tôt, l'Internet, l'accès à l'Internet super facile et l'Internet, où est-ce qu'on peut voir des clips vidéo, où est-ce qu'on peut voir des films et même la pornographie, l'accès très, très facilement. Donc, surtout les jeunes qui sont une grosse population qui utilise l'Internet sur une base très régulière sont très exposés à ça et ils ne voient vraiment pas la limite entre les deux et la ligne imaginaire, comme on veut dire. Mais pour revenir à ce que Nonibo a dit, est-ce que les parents ont un rôle important à jouer alors dans l'hypersexualisation? Clairement, là, parce que à chaque jour, là, tu vois, les adultes sont observés par les jeunes. Donc, c'est clair que les jeunes vont imiter ce que les adultes font. Puis les adultes, eux, peuvent essayer de les influencer positivement dans leurs actions puis dans ce qu'ils disent. Parce que là, si, par exemple, ma mère, elle se met à faire des vidéos sur Internet, c'est clair que le jeune va vouloir suivre. Mais moi, je dirais la seule raison pour laquelle Internet serait un problème dans le contexte d'hypersexualisation, ce serait que c'est beaucoup plus difficile qu'auparavant pour les parents d'être un individu dans ce problème-là. Je crois aussi qu'une des responsabilités, c'est de dire à leur enfant d'être confortable dans leur peau, de qu'est-ce qu'ils sont malgré qu'est-ce que la télé ou les magazines leur disent. Il faut dire, comme tu es confortable, tu es belle, pas besoin d'être comme eux. Il y a aussi une part de faire ça comme responsabilité. Mais parfois, c'est facile à dire, oui. Si je peux me permettre, je pense que l'hypersexualisation a aussi des côtés positifs, dans le sens que, vu que c'est plus un sujet tabou, ça a permis la diminution de comment c'est grave d'être homosexuel, par exemple. Je pense que maintenant, vu que c'est plus un sujet tabou, c'est plus facile pour les jeunes d'en parler, puis il y a moins de cas d'intimidation reliés à la sexualité, puisque les gens sont à l'aise d'en parler. OK. Mais on s'entend que l'hypersexualisation, c'est quand même... Il y a une idée de pouvoir et de contrôle. Hein? Et surtout par rapport aux femmes, c'est par rapport à leur apparence. Et comment elles se présentent crée un système de contrôle et de pouvoir. Est-ce que là, il y a un rôle plutôt important à jouer pour les hommes? Est-ce que les hommes sont d'une certaine façon... ont le rôle clé dans cette affaire? Bien, je trouve que, premièrement, comme tu as dit, l'apparence des femmes en a beaucoup à jouer. Et c'est, d'après moi, c'est leur code vestimentaire, leur style vestimentaire, comment ils s'habillent, et pour plus se montrer, c'est d'après moi pour plus plaire aux hommes. C'est certainement pas plus pour se montrer supérieur à d'autres femmes, je crois pas. C'est pour plaire aux hommes, principalement, pour afficher une certaine dose de sexualité. Donc, comme les hommes, c'est vraiment le point focal pour les femmes. Ils veulent attirer l'œil des hommes en faisant ça. Il y a une image. On parle beaucoup, on parle beaucoup de la femme qui est maigre, qui est vraiment représentée comme étant une femme belle quand elle est mince. Mais il y a aussi, paradoxalement, la femme qui est maintenant taille plus, les modèles taille plus qui sont maintenant représentés comme étant que c'est correct d'être comme ça. Mais est-ce que tes parents peuvent te dire « t'es belle comme ça, reste comme ça, continue à je sais pas si ça se dit, mais continue à être grosse comme que t'es, puis aime-toi, oui, non, ça c'est aime-toi comme tu es. Aime-toi comme tu es, mais continue à faire des efforts pour t'aimer encore plus. » Il y a des parents aussi qui ne se sentent pas nécessairement bien dans leur peau, qui c'est difficile pour eux de dire à leur enfant « reste comme t'es, t'es belle de même », mais eux sont pris aussi dans cette sphère-là, parce que l'hypersexualité, ça touche pas uniquement les jeunes, ça touche les adultes aussi, donc... Si les parents se sentent mal dans leur peau, puis ils en mettent beaucoup pour plaire aux autres, donc ça devient difficile pour leurs enfants aussi. Certainement, mais quelque part, puis moi je suis un peu plus vieux que vous, et moi je vois l'hypersexualisation parfois comme étant gros et presque une caricature. Et je me demande s'il n'y a pas comme un manque d'esprit critique là-dessus. Est-ce que c'est juste parce que je suis un homme et je suis un peu plus âgé que... Pour moi, je me demande pourquoi les parents qui seraient à peu près de mon âge ne le réalisent pas pour essayer de bien communiquer avec leurs enfants. Parce que c'est présent. Oui. Je ne pense pas que c'est tous les parents aussi qui communiquent bien avec leurs enfants. Mm-hmm. Il y en a qui ont des difficultés. Comme des gens gênés, la gêne, ça ne part pas à 18 ans. La gêne, ça peut rester. Il y a des parents qui peuvent avoir peur d'aborder le sujet de la sexualité avec leurs enfants.
Puis ça mène à ce qu'on voit en ce moment, à l'hypersexualisation. Je pense que la plupart des gens qui sont victimes de ça, c'est justement parce que leurs parents leur en ont pas parlé quand ils étaient jeunes. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est des mauvais parents, c'est peut-être parfois parce qu'ils savent juste pas comment aborder le sujet. OK, oui. Moi, j'allais dire que vu que la sexualité est tellement présente, c'est présent sous toutes les sphères de notre quotidien, c'est sûr, c'est difficile de savoir quand est-ce que c'est de l'hypersexualisation, est-ce qu'on considère ça comme de la sexualité ou pas. Donc, c'est dur de savoir, est-ce que mon enfant, je vais lui dire que ça se fait pas, il y a des limites. Et est-ce que l'hypersexualisation, c'est purement physique? Est-ce qu'il y a un lien entre l'apparence et la personnalité? Est-ce qu'il y a d'autres niveaux à l'hypersexualisation? C'est autant psychologique que physique. D'après moi, c'est autant psychologique que physique. Parce que, oui, si on parle de l'hypersexualisation, ça part du premier coup d'œil sur la personne, mais aussi ça part de comment la personne parle avec toi, ce qu'elle te dit. Une personne peut être ouvertement, parler de sexualité avec toi, parler de toutes ces choses-là. Donc, mais si une personne va être plus réservée, pas rien parler de ça, je pense qu'elle va pas attirer autant un esprit ouvert à la sexualisation. Donc, je pense que c'est autant psychologique que physique. Moi, je pense que c'est forcément psychologique, l'hypersexualisation, parce que si on pense aux pédophiles ou aux agresseurs sexuels, eux autres, c'est clair qu'ils vont dire « Ah, c'est la fille qui m'a provoqué » ou le garçon en s'habillant d'une certaine façon, mais ils ont leur rôle à jouer, c'est quelque chose de psychologique. Ou si on pense aussi à l'exemple Gian Gomeschi, qui subit des poursuites pour des actes sadomasochistes, c'est quelque chose c'est une maladie mentale comme une autre. C'est quelque chose qui se développe à cause de l'hypersexualité. C'est un impact direct. OK, c'est vrai. Là, je vais vous poser une question plutôt difficile. Je me demande si c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est le féminisme qui a créé l'hypersexualisation ou l'hypersexualisation qui a créé le féminisme? Je veux dire, parce que quand même, le rôle de donner le contrôle aux femmes de leur propre corps, c'est plutôt nouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que un peu des deux, dans le sens que le féminisme, ça, dans les années où ce que ça a commencé, au 20e siècle, où ce qu'ils disaient oh, « on a le droit de fumer », etc., ça a beaucoup rapporté aux compagnies. Et eux, ils n'avaient rien contre le féminisme. Au contraire, eux, ça leur donnait des profits. Hein? Si maintenant les femmes se revendiquaient de fumer, maintenant tu as deux fois plus de personnes qui fument. Et si maintenant les femmes se revendiquent de montrer plus de peau, ben maintenant c'est plus acceptable de montrer une publicité avec des femmes avec plus de peau afin de séduire les hommes avec leurs produits. Donc, je crois que peut-être que le féminisme a commencé ça, mais c'est sûr que le capitalisme a tout de suite pris ce mouvement-là et l'a agrandi. Eh bien, je sais que vous probablement vous voulez tous répondre à la question, mais malheureusement. La discussion tire à sa fin. C'est clair que ce n'est pas fini ici. Et après tout, la Journée internationale de la femme, c'est le 8 mars, donc c'est bientôt. Ce n'est pas pour rien que nous parlons de ça maintenant. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir continué cette conversation. C'est clair qu'il y en a encore beaucoup à dire. Merci beaucoup. À venir au sommet, le flow authentique d'un artiste local. Pour moi, c'est comme si c'était ailleurs. Le temps passe tellement plus vite quand on est heureux. On a maintenant des enfants dans la campagne. Coupez! Qu'est-ce que c'est ça, hein? T'es un figurant. Ça, c'est comme une toile de fond, mais qui bouge. OK. Reste low profile, OK? Comme ils se sont mis à frapper. Non, c'est trop fort, OK, là. Mais ils se sont mis à frapper. OK, ça, c'est bon. C'est vraiment bon, là. Mais c'est une scène romantique. Tu peux-tu juste pas parler de quelqu'un qui se fait tabasser à grands coups de matraque? Ouais, tu sais, ça c'était mon idée. Je trouvais ça qui était des petits mots d'amour, là. Ok, regarde, t'es un figurant. T'es pas supposé être intéressant, ok? Ok, ben, je dis quoi? N'importe quoi, là! Ben, j'ai pas d'idée. Regarde, tu vas prendre mon scénario, tu vas le lire comme si c'était de l'aide d'amour, ok? Ok, c'est bon. Sors! Sors! Ok, c'est bon.
On va la refaire. C'est excellent, OK? On garde ça de même. Je me rappelle le jour où tu m'as demandé en mariage. Je me souviens de ta réaction. T'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Pour moi, c'est comme ça, c'était hier. C'est vrai, le temps passe tellement vite quand on est heureux. On a nos enfants, notre maison à la campagne. Penses-tu qu'on devrait amener les enfants? Coupez! Là, tu rentres, tu t'assis, tu dis rien, tu fais rien, OK? OK, compris, c'est bon, je fais rien, je dis rien. OK, sors! Bon. Bon, on la refait, là? C'est excellent. Parfait. Dans 3. Je me rappelle le jour où tu m'as demandé en mariage. Je me souviens de ta réaction, t'as failli t'évanouir. Ça fait déjà 10 ans. Pour moi, c'est comme ça. Bonsoir et on passe à la partie musicale. Ici en studio avec moi, j'ai Flo. Comment ça va, Flo? Ça va bien, toi, là? Ça va très bien. Je suis enchantée de vous rencontrer ce soir. Pareillement, pareillement. Merci de m'avoir. Merci. Parle-moi de toi. De moi. Alors, le nom, c'est Flo ou le Flo Franco, pour préciser que c'est Flo de l'industrie musicale francophone. Je suis un artiste de la région d'Ottawa. Franco-ontarien qui fait de la musique urbaine précisément, donc mon art à moi c'est le rap. J'ai lancé un album le 25 mars 2014 dernièrement, un album, c'est un EP qui est disponible via iTunes sur mon site web, donc je vous invite à visiter leflowfranco.com, puis c'est ça, c'est moi en résumé. T'as toutes pris mes questions, c'est pour te dire ben, d'où viens-tu, mais t'as dit Ottawa, mais est-ce que c'est la vérité? Ben Ottawa c'est là où je suis, c'est là où je réside, c'est là depuis que j'ai 9 ans. Où est-ce que j'ai pris naissance? Je suis né en France, à Paris. Mm-hmm. Ensuite, je suis passé rapidement à Montréal quand j'avais 4 ans. Puis, je suis arrivé ici à Ottawa, comme j'ai dit, dès mes 9 ans. Donc, vraiment, Ottawa, c'est la maison. Puis, fier franco-ontarien à 100%. C'est super. Quelle est l'inspiration pour votre musique? L'inspiration pour ma musique, c'est un peu de tout. C'est les choses que je vois, les choses que je vis personnellement. C'est les amis, c'est la famille. La musique, pour moi, c'est plutôt thérapeutique, si on veut. Oui. Puis le rap, ben, pour ceux qui ne savent pas, c'est du rhythm and poetry. Donc, c'est ça. J'essaie de m'alimenter des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai vues, puis de trouver une façon de partager ces histoires-là avec ceux qui veulent m'écouter, quoi. Et pourquoi as-tu... le nom de la chanson que tu vas chanter pour nous est appelé « Juste une idée ». Explique-nous pourquoi. Donc, juste une idée. Donc, souvent, la question m'est posée, pourquoi la musique, pourquoi le rap? Puis, le plus que j'y pense, vraiment, c'était vraiment juste une idée au début. Dans ma jeunesse, j'ai commencé à écrire, j'avais 14 ans. Puis, j'ai une grande sœur. Puis, quand ses amis venaient à la maison, puis ils me trouvaient dans ma chambre en train de comme imiter les personnes que j'aimais dans la musique, puis ils me voyaient en train de rapper dans ma chambre, puis ils me disaient, toi, t'as ça dans le sang, puis tu sais, peut-être que tu devrais faire ça pour de vrai. Est-ce que ça te dirait de venir avec nous puis faire partie d'une compétition? Puis j'ai dit, oh, j'ai jamais fait ça pour de vrai. Puis là, ils m'ont dit, inquiète-toi pas, on va te prendre puis on va te développer. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Donc au début, c'était vraiment juste une idée. OK. Je veux pas prendre couper la parole, mais on veut vraiment t'entendre. Alors, merci, c'est à vous. Juste une idée avec merci. Flo. Merci. Merci à vous. Bâtissant, il était une fois un gamin assez solitaire qui se faisait garder par une des amies de sa mère. Il aimait les sports et écoutait de la musique. Il n'était pas formé, il mémorisait bien des lyriques. Alors comme ça, un gars lui a parlé du rap. Complètement perdu, le rap pour lui n'était pas sur sa map. Donc grâce à ça, il fut connaissant sur hip-hop. Et dès lors, cet amour n'a jamais pris un stop. À sa grande surprise, le rap a changé sa façon. Son cœur a pris de la chaleur, c'était plus froid comme un glaçon. Ce petit garçon avait maintenant un nouveau jeu. Découvrir des bonnes chansons et agir comme un rappeur. Mais c'était plus qu'un jeu, c'était sa destinée. En fait, il savait même pas où le rap pouvait l'amener. Lui faire être respecté, lui donner une identité. Espérer à créer, prêt pour ensuite performer. Mon cœur, j'ai dû le vider. Bref, c'était juste une idée. Verser mes larmes sur papier. Bref, c'était juste une idée. Sur scène, mes rimes, les citer. Bref, c'était juste une idée. Être la voix
de ma cité, vrai c'était juste. Il était une fois un étudiant, un adolescent qui était rempli de talent mais qui en était pas conscient. Jusqu'au jour où des grands lui ont fait de ses remarques. You t'as des skills avec nous, viens laisser une marque. Un peu profil les répondit, je sais pas écrire des verses. Next thing you know, papier crayon, voilà il a son first. Quelques critiques, quelques pratiques, il est prêt pour la scène. Compétition, faites attention, yo c'est un phénomène. Concours gagné, nouveau né, nouvelle identité. Le jeune ado il s'appelle Flo, il ne s'appelle plus Jay. Il n'est plus le même, il a des rêves de superstar. Il s'échappe de ses problèmes mais il le fait à travers l'art. Dans son regard, il y a une certaine certitude. Plus content que jamais, on peut le voir dans son attitude. Qu'est-ce qu'il deviendra? Ça, il ne sait pas. Mais à Ottawa, il voit que sa voix résonnera. Yo. Mon cœur, j'ai dû le vider. Vrai, c'était juste une idée. Verser mes larmes sur papier. Vrai, c'était juste une idée. Sur scène, mes rimes, les citer. Vrai, c'était juste une idée. Être la voix de ma cité. Vrai, c'était juste une idée. C'était juste une idée. Y'a pas longtemps de ça. C'était juste une idée. Et certains n'y croyaient pas. C'était juste une idée. Y'a pas longtemps de ça. C'était juste une idée. Et certains n'y croyaient pas. Il était deux fois un jeune garçon devenu un jeune homme qui ne prenait pas de somme histoire de devenir énorme. Comme il voulait mûrir, grandir comme de l'herbe. Il jouait avec les bars pour devenir un poète superbe. Chanson plein la tête, sa maison, ses studios. Succès en conquête, interview à la radio. Reconnu dans la rue, mais reste fidèle à ses proches. Il se rapproche de son but, il se s'accroche, mais il s'accroche. Projet après projet, il y a du progrès dans ses mouvements. Il grandit, oui c'est vrai, mais ça peut grandir également. Mauvais pressentiment, mais dans la zone il est présent. Maintenant il a fait son temps. Alors il fait partie des grands. Dédication, évolution, création, production. En action, présentation, motivation, révolution. Addiction, nouvelle vision, nouvelle union. Position, corporation, révélation, oui, émotion, yo. Mon cœur, j'ai dû le vider. Vrai, c'était juste une idée. Verser mes larmes sur papier. Vrai, c'était juste une idée. Sur scène, mes rimes, les citer. Vrai, c'était juste une idée. Être la voix de ma cité. Vrai, c'était juste une idée. Mon cœur, j'ai dû le vider. Vrai, c'était juste une idée. Verser mes larmes sur papier. Vrai, c'était juste une idée. Sur scène, mes rimes, les citer. Vrai, c'était juste une idée. Être la voix de ma cité. Vrai, c'était juste une idée. Sur ce, nous sommes rendus à la fin de l'émission et à la fin de cette semaine excitante et palpitante. Hélène, ça a vraiment été un plaisir d'être ici avec toi. Oui, et moi aussi, c'était un plaisir d'être avec toi, avec ta petite avec mon petit, boucle. Oui, on parle les couleurs pour la Saint-Valentin. Oui, oui. Il y avait beaucoup, mais j'ai vraiment aimé tous les musiciens qu'il y avait sur... Oui, et de vraiment bonnes discussions aussi. Hein? Oui, super des sujets. Je pense qu'il nous reste juste une chose à faire, Hélène. Ah oui? T'es prête? Oui, je suis prête. Mais c'est la fête à Olivier aussi, hein? Oh, c'est la fête à Olivier. Ben, on va le rencontrer à la base du sommet. Vite! Vite! Faut descendre! Ah, zut! Je suis prête! Non!